Bon, bah, tout le monde, vous connaissez la musique, hein? Donc, je vais lui demander de faire une petite présentation. Le nom, le prénom et l'âge. Bah, je l'ai dit pour aujourd'hui, le casting, il est fini. Hein. Mais je l'ai dit 100 fois, là. Pour le casting, c'est demain, maintenant. Ensuite, on refera les scènes et je demanderai. Bonjour. Bonjour. C'est ici le casting pour le film? Ouais. Alors, on fait un film sur moi, je suis même pas au courant. Ni mon agent, mon producteur. Ouais, mais moi, attendez, moi, je suis simplement casting, hein, donc faut voir avec la production. Hein. Ah, elle où, la production? Je vais vous donner le numéro de téléphone. Merci. Et ça raconte quoi? Le film sur Van Damme, dont Van Damme n'est pas au courant, ça raconte quoi? Ouais, les cacahuètes. Mais non, pas du tout. Cacahuètes, ça c'est bien ça. Attendez, si vous voulez me suivre. Mais qu'est-ce qu'on va raconter sur moi? Bon, bah, c'est l'histoire de Van Damme qui rentre en Belgique pour prendre l'air, parce que ça va pas bien dans sa vie en ce moment. Comment ça va pas bien dans ma vie en ce moment? Ça va pas bien parce qu'il a le fisc au cul. Ouais. Et en plus, il perd la garde de son fils. Oh, oh, c'est un appel. Ouais, j'ai pas perdu la garde. Pardon? J'ai pas perdu la garde, c'est un appel. Cool, cool, bien. Non, je suis cool, mais c'est un appel. D'accord. Je raconte ou je raconte pas? Vas-y, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Bon. Alors, Jean-Claude Van Damme, il rentre en Belgique pour prendre un peu l'air et puis il pète les plombs. Pète les plombs? À cause de quoi? La drogue, hein? Pardon? Ah, non, la drogue. Ah, non, non, non. Moi, j'en ai pas, puis je touche pas à ça. Mais non, dans le script, est-ce qu'il parle de drogue, c'est ça que... Ah non, pas du tout. Tu pètes les plombs parce que t'es un fou furieux, c'est tout. Ça, c'est... Puis après, tu prends des gens... Après, deux minutes, après, attends, tu prends deux des secondes, gens... Deux secondes. Des deux secondes. Gens. Bien sûr, monsieur. Après, tu prends des gens d'otage. Voilà. Et pourquoi? Enfin, des gens d'otage. Écoute, moi, je suis pas le scénariste, moi, je fais le casting. On y va? Excuse-moi, Jean-Claude. Non, toi, Jean-Claude, tu dirais comment ça, s'il te plaît? C'est quoi, c'est le script, ça? Ouais. L'amour, c'est comme le petit verre d'eau quand tu prends un café en terrasse. Si le serveur, il oublie de te l'apporter, il ne faut pas le demander. Même si t'as très soif. Parce que l'amour n'aime pas le demanding. Ça veut dire exigeant. C'est ce que ça veut dire. C'est bien. C'est bon? Ah, c'est bien. Pas à ta place, non, maintenant? C'est juste un dernier. Attends, là, vous êtes une dizaine, là. Si tout le monde passe, là, ça va être le bordel. C'est très important. Merci. S'il te plaît. Voilà. Ça, c'est important parce que je comprends pas. Quand tu dis, t'as pas besoin d'un flash quand tu photographies un lapin qui a déjà les yeux rouges. Faut de ma gueule ou quoi? Non, c'est toi qui l'as dit. Bon, écoute, c'est très simple, tu retournes à ta place, là. Même pas, tu retournes à ta place, tu t'en vas, je veux plus te voir. Je garde ta photo, ton CV, tes tricards. Tu t'en vas, s'il te plaît. Allez, Jean-Claude. Tu t'en vas. Oh, Jean-Claude. Ok, bon, et bah, écoute, voilà, ce que je vais faire, c'est que... Je vais appeler la production et puis tu... T'as vu ces mecs-là? Oui. Moi, je fais ce film, hein. Non mais attends, moi j'y suis pour rien, moi je suis que casting. Ils vont me bousiller avec des trucs de lapin, les yeux rouges et tout. Non mais tu vois avec la production, appelle, je t'ai donné le téléphone. Appelle ce mec. Non mais je veux pas, moi je suis que casting. Chaise. Y a pas de chaise, appelle ce mec. Fais-moi plaisir. Appelle ce mec. Écoute ce mec, s'il te plaît. Tu peux venir s'il te plaît? Bien sûr. Bon, j'attends là-bas. Non mais qu'est-ce que tu fais? Merci beaucoup. Non mais attends, qu'est-ce que tu fais là, Jean-Claude, là? J'ai du boulot là, il faut y aller. Moi, je fais le casting avec. Oh non, 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 Comment les mecs? Non mais c'est pas, on demande pas à Jean-Claude Van Damme de jouer le rôle, c'est une fiction. Donc voilà, je t'ai donné le numéro de la production. Tu joues la fiction. Non, écoute, je peux pas, j'ai du boulot. Non, non, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les gars. Avec tout le respect, les mecs, cassez-vous. Non, tu peux pas faire ça. Mais alors qui se casse? C'est bon, je vais arranger. C'est ma vie, c'est ma carrière. Ça sera mon film. Je reste ici. Mais non, mais attends. Dis-leur qu'ils se cassent. Non, je peux pas. Allez, cassez-vous. C'est bon, les gars, vous restez avec moi, s'il vous plaît. Mais non, mais je suis pour rien. Super le casting. Hein. Non, mais c'est pas bien, tu nous mets dans la merde. Je me rappelle pas. Vous restez. Attendez, les gars, putain. Non, mais reste. Excusez-moi, hein. Donc, toi aussi. Putain, c'est pas possible. Mais non, ça. Viens. Mais non, mais revenez. Allez, oh, elle n'est pas finie la journée. Mais t'es vraiment, relaxe-toi, il n'y a pas de problème. Mais je peux pas me relaxer, c'est mon premier film, là, je suis dans la merde. Mais ils ont Van Damme, arrête de déconner, ils ont Van Damme pour Van Damme. Mais si vous voulez Van Damme, ils t'auraient appelé, c'est pas moi qui fais le casting. Ils ont demandé, c'est un film sur ta vie, mais on demande pas de jouer le rôle. Rends-moi service. On se ma gueule. Non. Bon, écoute, je vais appeler la production, parce que ça, c'est pas possible. Là, c'est...
Arrête de trembler comme ça, putain. Ben ouais, mais... Dis que c'est mon lèvre, hein. Ouais, ben ça, ils vont le savoir.